Chers amis, nous voici de retour pour continuer notre long pèlerinage au cours de ce temps du Carême afin de réfléchir dans, avec les, les textes qui nous sont proposés en ce temps liturgique et plus particulièrement l'Évangile. En ce quatrième dimanche du Carême, Jésus nous invite à peut-être mieux saisir, mieux comprendre en quoi consistera ce, cet acte sublime et unique, et même atroce quand on y pense, qu'est son crucifiement? Euh, vous avez sans doute dans vos maisons des crucifix. Il faudrait peut-être, euh, durant cette semaine, faire un effort pour poser le crucifix de façon à ce qu'on puisse euh, le vénérer et faire en sorte qu'on puisse aussi méditer la croix de Jésus. C'est un, un exercice spirituel qui, je crois, produira de bons fruits. Dans le sens que, avec ce qu'on nous lit aujourd'hui dans l'Évangile, Jésus nous explique comment, euh, comme le, le, le bâton ou le serpent de bronze qui était élevé dans le désert, dans le temps de Moïse, était salutaire pour ceux qui se faisaient mordre par les serpents. Jésus annonce que lorsqu'il sera élevé, et il fait allusion ici que lorsqu'il sera élevé sur la croix, ça sera pour nous notre moment salutaire. On doit découvrir dans ce supplice que ça a été pour Jésus, cette croix, l'occasion en même temps pour Jésus de nous révéler le sommet de son amour pour nous. Il faut relire cette, ce verset ici avec l'image de Jésus sur la croix, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais obtienne la vie éternelle. Voilà ce que Dieu le Père a à cœur, de nous accorder la vie éternelle. Et ça viendra avec un grand prix. Dieu le Père est prêt à sacrifier son fils, un peu comme dans l'histoire d'Abraham qui est prêt à sacrifier son fils Isaac. Il nous donne son fils. Et Jésus, et on le verra dimanche prochain d'une façon plus particulière, tout le sens du, du don de soi-même jusqu'à mourir hein, pour ses amis. Jésus se donne complètement par amour pour toute l'humanité afin de nous obtenir le pardon de nos péchés et cette réconciliation à Dieu le Père en qui on retrouve la vie éternelle. Il faut relire ce texte avec Jésus sur la croix. Vous savez, dans beaucoup de nos églises aujourd'hui, on, on a remplacé la croix par un Jésus ressuscité. Ce euh, n'est pas mauvais, mais je trouve qu'en même temps, on, on risque de perdre une dimension essentielle du moment où Jésus se donne à nous sur la croix. Dans l'évangile de Saint Marc, euh, il faut co comprendre que Jésus considère cet épisode de la passion de Jésus, de sa mort, comme étant l'élément le plus important de son évangile. Il y consacre beaucoup de pages. Et c'est comme s'il y a dans ces dans pages sur sa passion, sur sa mort, sur la croix, euh, un message essentiel et que les, les évangélistes ont, ont repris, beaucoup plus que sa résurrection. Sa résurrection est essentielle, c'est bien sûr, parce que s'il n'y avait pas de résurrection, on ne parlerait pas de sa mort. Mais la mort, il faut pas passer par-dessus trop vite. Et donc, ce temps du Carême, et cette page particulière, nous invite à, à réfléchir sur ce moment où Jésus va se donner lui-même sur cette croix. Et nous aider nous-mêmes à traverser nos crises, à traverser nos moments difficiles comme dans cette pandémie. Posons notre regard sur Jésus en croix au cours de ce carême. À la prochaine, mes amis.